Excellence, est-ce que vous avez évoqué le cas Blaise Compaoré? Vous posez la question à qui? Au président Kafando? Justement, ma question va dans ce sens. Vous avez l'ancien président Blaise Compaoré ici. Est-ce que quelque part vous avez évoqué ça? Et qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce propos? Oui, ben, vous savez, ce n'est pas la première fois que le président Kafando et moi nous retrouvons. Et nous avons, de temps à autre, évoqué la présence du président Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire. Et nous considérons que ceci est quelque chose de tout à fait normal et qu'il n'y a pas lieu d'en faire un sujet, sauf un sujet des journalistes. Je préfère ne pas rentrer dans ce débat. Moi, je voulais, sur la question, dire ceci. Je l'ai répété au président Ouattara lors de nos différentes entrevues. Le problème Blaise Compaoré ne se pose pas au Burkina Faso. Véritablement, ce n'est pas une question qui nous dérange tant. Pour autant, je l'ai toujours dit aussi, pour autant que de sa part, il n'y a pas, si vous voulez, de velléité, de déstabilisation, ou en tout cas de fomenter certaines actions qui puissent nuire à la transition. Si cela n'est pas, véritablement, ce n'est pas un problème pour le Burkina. Maintenant, évidemment, s'il y a des poursuites, c'est autre chose. Bien. Merci à tous. Voilà. Merci. Bon appétit. Merci. Merci. Merci.